Salut, c'est Shunchi et moi aussi pour le 7e épisode de Blast Off. Alors, que va-t-on faire dans ce 7e épisode? Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode qui était, comme je vous l'ai aussi dit à ce moment-là, assez brouillon, je vais visiter un donjon. Alors, visiter un donjon, c'est plutôt conquérir le donjon, les sous-étages et tout ça. Alors, du coup, je vais me stuffer en conséquence hein, pour avoir l'équipement correct. On va commencer par se créer une épée parce que c'est bien bio beau le égal, mais je suis pas spécialement le plus à l'aise avec et comme ça je pourrais toujours utiliser le égal si besoin. J'ai un arc, un peu de flèche, ok. J'ai du bone meal pour réparer mes items. J'ai de l'eau. J'ai un peu de cobble, mais j'en voulais pas. Du coup, la cobble, je vais te mettre ici. Je vais prendre un bon stack de ceci, ça peut toujours être utile. Soit je continue à m'équiper en douceur, et une fois que je me sentirai suffisamment prêt pour l'aventure, on se retrouvera à ce moment-là devant le donjon avec suffisamment de stuff et d'items pour pouvoir affronter tous les monstres de celui-ci sans problème. Me voici au donjon des rêves bleus. Du coup, on va se créer un avant-poste à l'intérieur hein, pour éviter d'être dérangé pendant. Et comme ça me fait aussi un point de sûreté où je pourrais remonter au moment où je me sentirai moins à l'aise pour me réinstaller dans les environs. Tac, 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 hop, là je pense que c'est bon. Faut juste que je torche un petit peu la zone pour éviter d'avoir ne serait-ce qu'un mob qui poperait. Hop. On va aussi éclairer au-dessus pour éviter d'avoir des monstres qui pop ici à l'étage. Tac, tac, tac. Je devrais être tranquille comme ceci. Et donc, on va s'établir un petit camp à ce niveau-ci. Et on va établir juste le strict minimum, c'est-à-dire un lit. Comme ça, je pourrais dormir si besoin. Une crafting station. Ainsi que la tool station pour réparer mes items. La bonne mille, je n'en ai pas besoin. Le livre de quête, j'aurais pas dû le prendre, ça prend de la place dans l'inventaire pour rien. Ça, c'est des coffres, ça, c'est de la bouffe, et j'en étais à manger, on va dire, des pommes. Comme ça, c'est bien. Hop. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir commencer à explorer le donjon. Alors, je vais rester avec vous, je vais faire des accélérés, des coupures de montage, un petit peu comme je fais dans mes derniers épisodes de... Oh, purée, ça a l'air compliqué, le sous-étage. Un petit peu comme je fais dans mes épisodes que j'ai filmé avec Fifox et tout ça. Enfin, je me comprends, c'est pas grave. On vient de me dire que je peux pas casser ça, du coup je suis obligé de passer par le mur déjà. Ok, ça commence bien. On va le mettre en off. Ah ouais, c'est vrai, je mets des torches donc ça met le feu, c'est génial! C'est génial tout ça. Alors hop, on se met un petit peu à distance, on s'assure de pas mourir, hein. De pas mourir. J'aime bien comme je suis en train de préciser quelque chose et dans l'instant qui suit, il y a déjà une explosion. Bon, toi t'as rien. Oh super, j'ai des outils volants qui m'attaquent. Oh, il faut que j'éclaire la zone. Je suis obligé d'avancer et progresser en éclairant, sachant que il y a des mobs qui vont se déplacer dans mon dos. Mais il faut que je me déplace assez vite. Il faut pas trop que je... Oh putain, c'est complètement en feu derrière moi. Ok, ça va être assez galère d'explorer le donjon à mon avis. Hein. Mais bon, je peux choper des potions, des sticks, j'aurai aussi un peu de bouffe différente, une épée en pierre et ça je peux prendre par contre. Ok. Il y a du feu, donc l'air devient moins respirable dans les environs. Est-ce que ma folie augmente? Elle augmente légèrement. C'est pour ça que c'est bien de s'entendre remonter à l'air pour éviter de devenir complètement fou. Ok, ça s'annonce super bien ce donjon. Ça c'est juste le creeper qui avait pété. Oh, regardez-moi ça ce bordel. Allez, on prend les torches, on prend ceci, je sais pas à quoi ça pourrait servir mais on ne sait jamais. Ça on prend de la cobble, on peut en prendre un peu de colle, la pioche j'en aurais pas besoin. Et on va prendre les livres. Avant que tout prenne feu, je vais casser un peu de bois pour me crafter des coffres. C'est un truc que j'avais pas encore. Non, je peux casser directement les coffres en fait. Non, si je veux faire des coffres. Ah là là. Du coup, j'ai pensé à une stratégie au début, avant de commencer l'épisode, pour pouvoir explorer facilement le donjon. Ce serait faire quelque chose qui fasse un anti-spawn. Genre la Magnum torche. Le problème, c'est que la Magnum, si je ne me trompe pas, Magnum.
réclame quand même pas mal de ressources, hein. Du coup, je sais pas la crafter actuellement. Regardez-moi ça, mais le feu qui pop dans tous les sens à cause des torches. Ma folie augmente petit à petit. Par contre, ça m'étonne qu'il y ait beaucoup de feu et que mon oxygène ne descend pas. Du coup, c'est pas plus mal pour moi, hein. Oh non! Je casse un tronc et qui tombe dans le feu. Je suis foutu. Hop, un spawner de moins. Une potion. Hop, je pense que je peux. Non, pas encore. Ça, je prends, ça, je prends. Ça, je prends, ça, je prends. Bon, toi, on va te mettre sur le côté pour le moment et la cobble aussi. Et je prends ces deux-là. Ok, du coup, j'ai déjà exploré un couloir normalement. Ça n'a pas été trop dur. Voilà, je me suis fait un peu de place dans mon inventaire. Maintenant, on va partir pour le deuxième couloir. La deuxième zone de l'extrême. On va directement supprimer ce petit spawner. Hop là. Alors pour le moment ça pop pas trop, ça va, ça reste jouable, hein. Hop. Voilà un mob de moins. Toi, t'es là-haut. Je me laisserai pas faire, saleté. Saleté. J'ai évité de brûler par contre. Ouh là ça pop. Avec plus de force. Il faut que je fasse attention car j'ai pas spécialement le droit à avoir un repli en fait. Oh mon dieu, l'armée de zombies. En plus, c'est une armée de zombies en feu. Et ça pop toujours derrière. Ok. Faut que j'avance, faut que j'arrive à progresser. On va pas laisser tomber. On est des hommes courageux. Voilà, parfait. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est fait, ça c'est géré. Ok, c'est quand même un petit peu chaud, hein. C'est pas trop dur, ça reste jouable, mais enfin vous voyez, ça reste jouable. C'est pas exagérément dur, mais il faut pas que je m'engolisse, que je reste coincé. Il faut bien que je réfléchisse et que j'agisse surtout, quoi. Il faut pas que je fasse le mongol. Hop, on va passer au pain, ça va me nourrir un peu plus que d'habitude. C'est super chaud, hein. J'aime bien les effets de fumée comme ça partout. Ça ajoute une belle, un beau graphisme, on va dire. Une belle physique au jeu. Oh, beaucoup de dirt. Ah, ça va être bien. Je fais peut-être bien d'explorer quand même le donjon. Et là, j'ai des patates et tout ça. Ah, je suis content. J'ai des patates. Oh là là. Par contre, ça m'étonne que ma barre de respiration ne descend pas. À mon avis, elle va descendre, mais plus tard. Ici, tac, 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 et tac. Ok, c'est bon, on continue. Ah, un archer, ça c'est un peu plus dangereux, un archer. Ouh, le creeper! Rassure-moi, on peut pas tomber, on peut pas tomber. Ah, ma folie augmente, on va sortir du donjon. Ça sert à rien de rester dans une zone dangereuse avec ma folie qui va monter. Je préfère jouer la tranquillité. Du coup, on remonte à la surface, on prend un peu l'air, on attend que ma barre de vie et de tout ça régène, et après on pourra retourner tout doucement dans le donjon. Bon, alors voilà, j'ai dormi, donc mon truc est remonté, ma vie remonte tout doucement. Alors on était parti là-bas à gauche, je pense que je vais partir maintenant cette fois-ci parce que je pense que les deux pièces sont connectées et je préfère faire cette zone-ci dans un premier temps. Du coup, on va progresser tout doucement. Oh non, ici tu vas prendre feu. Ah, mais il y a déjà de la glow, du coup, je devrais pas faire attention. Ouais, du pain, ça c'est génial. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Tac, on pose une torche ici. On élimine l'araignée comme il se doit, parfait. On pose une petite torche ici. On casse ceci. On va s'assurer qu'il n'y a pas de spawn. On met une torche dans le coin. On regarde dans le coffre. On regarde sur la minimap s'il n'y a pas un mob qui se ramène sur nous ou en fur. Non, pas du tout. Le couloir prend feu, c'est génial. J'avais juste envie qu'il ne prenne pas feu, mais bon. Vu que je suis doué pour poser mes torches, j'aurais dû réfléchir un peu plus longtemps. Ok, et ici c'est la suite du donjon. On peut descendre, on descendra pas encore. Je préfère d'abord explorer toute la zone. Alors maintenant, on va essayer d'accélérer un petit peu le pas avant que tout ça prenne feu. Oh là là, c'est abusé, la fumée qui en est dégagée. Ah, l'araignée, on va la tuer. On fera les portes annexes sur le côté un peu plus tard, juste par la suite. Et voilà. Et comme j'ai dit, les deux pièces se connectaient correctement.
à ce niveau-ci. Alors il faut faire attention, ça peut spawner juste au-dessus de moi, du coup on va pas trop tarder ici. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y a au-dessus, du coup on va faire vite un petit passage dans le mur à côté pour savoir ce qui se déroule au-dessus de notre tête. Enfin, ce qui se trame plutôt. Putain, le gravel. Encore un peu, j'avais du gravel qui me tournait sur la tête, génial. C'est juste pour faire spawn à mon avis. Ok. Donc ici, c'est toujours du feu, il n'y a pas de souci. Un arc, on s'en souciera plus tard. Un coup de freeze, on s'en fout. Ici, est-ce que j'ai déjà fait le coffre? Pas encore. Du coup, j'obtiens encore de la bouffe et tout ça. Alors, j'ai pas obtenu de minerai jusqu'à présent, comme vous avez pu constater. Alors, ici, malheureusement, ça va prendre feu. C'est pour ça qu'on va vite vider les coffres. J'aime bien, c'est que j'ai une course contre la montre et je me bats contre. On va quand même prendre le livre. Et je joue contre moi-même en fait. La course contre la montre, c'est moi qui la déclenche vu que je mets le feu aux pièces involontairement et volontairement vu que je veux éclairer. Mais c'est pas mon but premier de. Enfin, c'est pas un but tout simplement de mettre le feu à la pièce. D'ailleurs, regardez là, c'est une torche. Mais elle, vu qu'elle était déjà posée à l'avant, avant que je vienne. Il n'y a pas ce déclenchement de feu qui se produit. Ok, alors là, a priori, j'ai exploré tout ce niveau-ci. On va reprofiter du gâteau pour manger du gâteau. C'est-à-dire que maintenant, pour faire la suite, il faudrait que je descende un peu plus bas. Hop, vous trois, je vous prends. Ça peut toujours m'être utile plus tard dans l'aventure. Surtout quand je serai de retour chez moi. Du coup, je vais continuer à descendre. Alors bon, au début, j'ai dit que j'allais faire des coupures et tout ça. Je préfère parler, mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais partir en petit accéléré. Juste histoire. Et je pense pas descendre plus bas que cet étage-ci, par contre. Hein. J'ai peur que ça devienne vraiment trop dangereux par la suite. Sur ce, à tout de suite.
Bon, les amis, je pense que j'en arrêtais ici pour le donjon. Ça commence à devenir vachement dangereux en bas, vous avez remarqué. Du coup, en fait, il faut faire attention à deux choses maintenant que j'ai un petit peu d'expérience au niveau du donjon. Déjà, quand je descends au premier étage, il n'y a pas de souci, mais quand je descends au deuxième étage, à partir de ce moment-là, je commence à avoir mon oxygène qui disparaît petit à petit, donc il faut que je repense à remonter. Assez souvent. En plus, les monstres commencent à devenir assez tanky, assez dangereux. Du coup, j'ose pas aller trop bas. De plus, j'ai pas chopé les ressources que j'aimerais. J'aurais voulu choper du copper, hein, c'était mon but. Bon, c'est l'unique but de cette exploration-ci. J'ai pas trouvé du tout de copper. Bon, je ramène déjà quand même tout ça comme ressources, hein. Là, j'attends juste qu'il fasse nuit pour que j'aille me coucher et que je remonte ma frayeur, ma folie, je ne sais quoi. Parce que là, mon type, il est vraiment pas bien. Ça, je vais tout laisser ici, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les ressources ici, je vais les laisser là pour le moment. C'est pas spécialement des ressources super utiles à ramener. Ça peut être bien, mais c'est pas. Il y a mieux qui peut exister, quoi. Du coup, c'est peut-être pas le plus important que je ramène actuellement. Là, bah, je suis complètement fou, du coup, j'imagine des monstres en tous les sens. Du coup, je vais un peu patienter, puis je vais rentrer à la base une fois que j'aurai dormi, que je n'aurai pas cette folie autour de moi. Et je pense que je vais m'en arrêter aussi ici pour cet épisode. Je sais, je l'ai fini vraiment rapidement par rapport aux autres. Mais il faut que je trouve un moyen de me faire du copper. Hein. Si vous avez une solution plus facile peut-être pour refaire des coppers, ou une solution peut-être aussi pour descendre dans le donjon plus facilement sans risquer. Sans trop risquer, sans risquer de mourir. Parce que vous avez aussi vu, il y a une séquence où j'ai fini, bah juste avant que je remonte, j'ai fini à un demi-cœur. Du coup, c'est super dangereux, je trouve, de rester dans ces donjons-là. Du coup, il y a plein de du coup dans la phrase, mais bon, du coup, voilà. Du coup, on se retrouve donc surtout pour le prochain épisode. Et donc, sur ce, les amis, je vous dis salut et à la prochaine, bye.